Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour la première vidéo d'une série un peu particulière. En effet, vous avez été très nombreux à me demander quelles étaient mes méthodes d'entraînement, quels étaient mes exercices du moment. Bah écoutez, la façon la plus naturelle, la plus sympa et surtout la plus représentative et la plus démonstratrice, eh ben, c'est de vous convier à une de mes séances. Donc aujourd'hui je vais effectuer ma séance biceps-triceps en superset. Donc voilà, bah écoutez, sans plus attendre, je vais aller m'échauffer et on est parti, à tout de suite. Échauffement terminé, j'ai réalisé 3 séries de 15-20 répétitions pour bien chauffer les articulations et les muscles. Passons maintenant à ma séance à proprement parler. Donc elle va être constituée de superset. Le superset, c'est l'enchaînement de 2 exercices sans temps de repos sur des muscles antagonistes. J'aime et j'adore cette technique pour mes bras. Ça m'offre des sensations énormes. Ça permet quand même de maintenir un niveau de charge assez élevé. Ça permet aux muscles de récupérer assez. Donc premier superset, les extensions verticales à la poulie barre, vraiment pour la longue portion de triceps, enchaînée avec du curl sur banc incliné. Je vous rappelle, le curl sur banc incliné qui va plutôt isoler le long biceps. Donc voilà, à mon sens, 2 exercices qui sont vraiment indispensables. Encore une fois, c'est personnel. Allez, on est parti. Premier superset terminé, je prends 1 minute 30 de repos et on est parti pour le deuxième. Je vais monter un peu en poids tout de suite. Alors on est parti pour le deuxième superset. Cette fois-ci, je vais essayer d'atteindre 12-15 répétitions. Donc on va monter un petit peu en poids. Rappelez-vous, plus le nombre de répétitions baisse, plus vous devez monter en charge. Allez, on va aller chercher. Oh my god. C'est bon ça. Allez, encore. Tête, tout est dans le monde. Allez, on lâche pas. On est parti pour la troisième. Dernier superset, je vais pas tous les filmer sinon la vidéo va être trop longue. Donc dernier superset, je vais tabler sur 8 répétitions. 6, ça sera vraiment le minimum. Donc on va mettre ce que j'estime être moi vraiment le max de points. Allez, on va aller chercher le résultat.
On va aller chercher. Super set terminé. Je vais prendre deux bonnes minutes de repos et on va passer au deuxième tout de suite. Deuxième super set, cette fois-ci je vais enchaîner les extensions de poulies pronation pour cette fois-ci focaliser sur le vaste externe de mon triceps et ensuite j'enchaînerai pour les biceps du curl poulie vis-à-vis cette fois-ci pour plus travailler le braquet intérieur. Je vous le rappelle, une bonne séance de biceps et de triceps, c'est sélectionner des exercices qui vont véritablement travailler toutes les parties de vos muscles. Ça ne sert à rien de prendre trois exercices qui vont focaliser sur le brachial. Donc c'est vraiment cette complémentarité qui va justifier et qui fera que vos exercices seront efficaces. Votre séance tout du moins sera efficace. Allez, on va y aller. Une dernière, tout de suite. J'ai trouvé un petit compagnon de route pour ma dernière série.
Cette fois-ci, on va être sur, comme je vous l'ai dit, 8 répétitions, 6 répétitions minimum, max de poids. Surtout avec une technique toujours propre, les amis, c'est ça qui est important. Ouh, il passe son poids, l'ami, hein. Allez, faut se battre, Enzo, là. Mais non, ça va le faire. Chaud. Non, je peux le faire. Allez. Voilà, easy. Allez. Allez, bats-moi. Dernier superset, toujours 4 séries. Cette fois-ci, je vais enchaîner pour les triceps, les extensions, pouli corps, buste penché, avec la corde, ce qui va me permettre non seulement de travailler, de rappeler un petit peu le latéral, mais également la longue portion de triceps. Très bon exercice, surtout à ce moment-là de l'entraînement, comme je vous l'avais dit. Deuxième exercice, cette fois-ci pour les biceps. On a travaillé le brachial. On a travaillé, allez, on a eu un exercice pour le long biceps. Cette fois-ci, on va travailler encore un peu le brachial, mais surtout le long supinateur. Donc, moi, je vais faire des curls, marteau, aux haltères. Donc voilà, je vous rappelle, 4 séries, 15, 12, 18, 1 minute 30 de repos entre chaque série. Allez, faut le charbon là. Allez, c'est showtime là. Allez. Et le paquet. Allez, donne tout, Enzo. Allez. C'est bon, ça. C'est la dernière série, on vide les cartouches. On vide les cartouches. Le paquet. Le paquet. Ouais. On abandonne pas, hein. C'est pas le moment. Je lâche pas. Lâche rien.
faut y aller. Hein. Ça se paye, ça se mérite. Ça se mérite. Allez, allez. Allez, au bout de souffle. Voilà, séance quasi terminée, je dis bien quasi, hein, car je vais vous montrer une petite technique que j'adore, que j'adopte à la fin de chaque travail musculaire. Il s'agit des séries de saturation, plus connues, c'est les séries de pumping. Ça consiste en quoi ? Je vais utiliser une charge très légère et je vais sursaturer le sang en muscle pour vraiment, voilà, qu'il soit vraiment gorgé au maximum, hein, vraiment au maximum. En plus, psychologiquement, le fait de sortir de la salle avec le muscle à bloc, voilà, c'est encore une fois, ça renforce la satisfaction du travail bien fait. Donc, on y va. Pour ce genre d'exercice, hein, utilisez l'exercice d'isolation. La poulie, c'est très bien, par exemple, pour les triceps. Le poids pas très élevé. On cherche le pumping. Allez. Je crois qu'il y a beaucoup de place. Allez, encore un peu. Allez, encore un peu. Encore. J'ai eu du mal à contracter, putain. Cette fois-ci, la séance est réellement terminée. Ça se fait du bien. Allez, on se retrouve pour le meilleur moment, le moment du shaker, et on va faire un petit débrief tout de suite, les amis. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à vous inspirer, hein, de cette séance en superset. Séance qui est plutôt dédiée, hein, destinée aux avancées, hein, telles quelles. Hein. C'est-à-dire que pour vous, amis débutants, et vous, amis intermédiaires, des séances monomuscles ou alors des séances dédiées uniquement aux bras ne sont pas forcément les plus judicieuses. Par contre, vous pouvez très bien vous inspirer du choix d'exercice que j'ai effectué ou de cette technique qui est le superset. Hein. Personnellement, je l'aime, ce n'est pas la meilleure du monde, mais c'est celle que je préfère. Pourquoi ? Parce que l'intensité est au max, et je suis quelqu'un qui aime l'intensité et le volume de travail. Et ça permet également de raccourcir le temps de séance. Car je vous le rappelle, et ce sera le mot de la fin, ce n'est pas le temps que vous passez en salle qui est important, qui va déterminer si vous allez progresser ou pas, c'est ce que vous allez y faire durant ce temps. Ce n'est pas le nombre de répétitions, ce n'est pas le nombre de séries, quand je parle de ça, c'est en termes de quantité, c'est la qualité, comprenez par là, c'est l'intensité, c'est l'engagement que vous allez mettre dans chacune de ces répétitions qui va déterminer si vous allez progresser ou pas. Donc voilà, plus n'est pas synonyme de mieux, et la qualité au-dessus de la quantité. Donc voilà, je tiens également à vous demander, hein, exprimez-vous via les commentaires sous la vidéo. Voilà, est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que cette initiative de vlog training, de mes trainings, vous séduit? Si c'est le cas, n'hésitez pas à, hein, commenter. Et dans ces cas-là, je continuerai ce dossier. Personnellement, j'ai pris un plaisir énorme à partager cette petite tranche de vie avec vous. Je vous invite également à aller sur mon site internet enzocoach.fr, hein, si vous voulez bénéficier d'un de mes coachings distance, que ce soit en termes de programme d'entraînement personnalisé
ou de programme de nutrition personnalisé. Le site sera en description de la vidéo. Et enfin, je tiens à remercier mon partenaire, Protein Center, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site internet de compléments en ligne. Ils ont des prix tout bonnement canon avec une vaste gamme de compléments. Prix canon, à cela, on ajoute ce code promotionnel qui s'affiche dès à présent pour bénéficier de moins 10% sur chacune de vos commandes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment du tout bon. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut.